Allô Internet, aujourd'hui je suis sur mon divan et je vais vous parler d'un sujet vraiment intéressant qui est très long par contre. Je pense que je vais faire un bon 30 minutes avec tous les extraits de vidéos et toutes les informations. Allez vous chercher un bon café, un thé, quelque chose là, pour vous tenir réveillé pour les 30 minutes qui s'en viennent. Mais vous n'allez pas avoir besoin de caféine parce que c'est tellement intéressant que vous allez être full dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler du tueur en série Charles Manson. Moi, je pensais vraiment que je savais son histoire, puis je pense que tout le monde pense qu'il le connaisse, mais en vrai, non. Je vais vous parler un peu de toute sa vie, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis vous allez voir, là, c'est vraiment horrible. Donc, Charles Manson est né le 12 novembre 1934 dans la ville de Cincinnati, aux États-Unis. La mère de Charles, qui avait 16 ans quand elle a eu son fils, elle s'en occupait pas vraiment parce que, tu sais, elle était toute jeune, elle aimait sortir faire la fête pendant 3-4 jours parce que c'était une adolescente. Fait que c'est Nancy, la grand-mère de Charles, qui s'en occupait beaucoup quand la mère était partie. Charles était vraiment un petit garçon adorable, il était super beau. Mais il était pas gentil, il avait pas une belle personnalité, il mentait tout le temps, il faisait des mauvais coups, il aimait beaucoup être le centre de l'attention. Puis ça, ça l'a suivi vraiment toute sa vie, là, de vouloir être le centre d'attention. À 13 ans, il s'est fait mettre en prison juvénile, donc pour les mineurs, parce qu'il avait volé un dépanneur. Puis depuis l'âge de 13 ans, là, il est vraiment entré et sorti de la prison. Il a comme passé sa vie en prison au final. Ça a été difficile parce qu'il s'est fait beaucoup violer. Et lui, il a violé, il s'est fait battre. C'est parce qu'il était tout petit, il mesurait même pas 5 pieds. Il était vraiment une proie plus facile. En 1955, Charles venait juste de sortir de prison et il a connu Rosalie Willis, qui était une autre petite fille un peu plus jeune, elle avait 17 ans. Et ils se sont mariés. C'était vraiment la fille populaire du village. Elle était de bonne famille, elle avait les moyens. Rosalie est tombée enceinte et pendant ce temps-là, Charles a fait un vol de voiture et il s'est fait arrêter encore une fois. Il s'est ramassé en prison et Rosalie a dit « C'est-tu quoi, c'est vraiment pas la vie que je veux. » Elle l'a divorcé et elle s'est enfuie avec leur seul fils qu'ils avaient eu en commun. Il s'appelait aussi Charles Manson. On sait juste que Charles, à 35 ans, il a commis un suicide parce qu'il a comme su tout ce qui se passait avec son père. Puis ça l'a vraiment profondément affecté. Fait qu'il s'est suicidé. Mais Rosalie, on n'en a pas vraiment entendu parler depuis. À 25 ans, Charlie est sorti de prison. Il s'est dirigé au Texas puis s'était encore fait arrêter pour fraude. Okay? Comme je vous dis, il était vraiment tout le temps in and out de la prison. Soit il s'enfuyait ou il se faisait sortir pour bonne conduite. Il a été mis en prison un bon 10 ans à cause de ça, mais il est sorti avant pour bonne conduite. Et en prison, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la scientologie. Il s'est mis vraiment à croire en la scientologie. Et en sortant de prison, plutôt que prévu là, pour bonne conduite, il s'est dirigé en Californie. Puis c'est là que la vraie histoire commence. Charles voulait vraiment être le centre de l'attention. Et son rêve, là, c'était de devenir plus populaire que les Beatles. Puis lui, il voulait pas nécessairement l'argent, mais il voulait la popularité. Il jouait un peu de guitare, il chantait assez bien. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'il était vraiment loin d'être extraordinaire. Mais lui, son rêve, là, tout au long de sa vie, c'était de devenir aussi connu que les Beatles. En 1967, à San Francisco, Charles a assisté à l'événement Human Being, qui était vraiment un événement là, qui a marqué les États-Unis. À San Francisco, c'était vraiment incroyable. Et Charles, lui, il a trouvé ça parfait parce que c'était des jeunes un peu perdus qui s'enfuyaient de leur famille et voulaient vivre le rêve hippie et Charles allait leur offrir. Charlie Manson est sorti de prison avec juste 50$ en poche. Fait que quand il est arrivé en Californie, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de maison, il y avait juste 50$. Et très vite, il a connu la jeune femme Mary Brunner, qui était une adolescente à l'époque, et elle travaillait à la bibliothèque de l'Université de Berkeley. Et tout de suite, elle est comme tombée folle amoureuse de Charles, parce que j'imagine qu'il avait un charme fou. Et elle a dit, tu peux venir rester chez moi jusqu'à temps que tu trouves un appartement, un emploi, mais finalement, il est resté carrément de façon permanente. Il était comme une sorte de couple, mais lui, il couchait avec plein d'autres filles dans le lit de Mary. Elle aimait pas trop ça, mais lui disait, mais tu sais, c'est vraiment toi que j'aime, c'est toi l'important. Fait qu'il continuait à faire ce qu'il voulait. Mary, elle payait tout parce que Charles n'avait pas d'emploi. Elle faisait le ménage, elle cuisinait pour lui. Charles était vraiment manipulateur.
OK? Fait manipuler vraiment n'importe qui. Il a rencontré Lynette Fromm, OK? C'était une petite fille de 18 ans. Et elle aussi était comme un petit peu perdue. Elle voulait vivre le rêve hippie. Et elle est tout de suite tombée amoureuse de Charles. Fait que Charles, il a dit, tu t'en viens habiter avec nous, avec lui et Marie. Les trois couchaient ensemble, il y avait des relations sexuelles. Et Marie était pas trop d'accord au début. Tu sais, c'était Charles qui contrôlait tout, fait que personne n'avait son mot à dire là-dedans. Plus tard, il y a Patricia Krenwinkel, qui avait aussi dans les 18 ans. Elle venait d'une famille brisée, elle était perdue. Et elle a décidé de se joindre à Charles et ses deux amis. Charles, là, à ce moment-là, il a comme décidé de devenir... C'était vraiment à la mode dans les années 70, des communes hippies avec un gourou. Il y en avait plusieurs, surtout en Californie. Et Charles a donc acquis une minivan Volkswagen, puis les quatre se promenaient dans la minivan. Puis, tu sais, c'était vraiment là, le rêve hippie. Charles avait un énorme contrôle sur les filles. Par exemple, pendant qu'ils se promenaient, ils faisaient comme une sorte de tour ou de performance. Il adossait une des filles sur un arbre. Et lui lançait le couteau, un couteau, genre au-dessus de la fille. Ça venait comme piquer l'arbre ici. Puis si la fille, tu sais, elle faisait ça ou elle clignait des yeux, elle flinchait, ben Charles, il se fâchait après elle, puis il disait, tu me fais pas confiance. Puis il jouait vraiment avec son mental. Même que des fois, il battait les filles quand les filles avaient comme pas confiance en lui en faisant cette performance-là. Et lui, là, il a toujours fait toute sa vie des longs discours. Puis s'il voyait qu'une des filles portait pas attention, était distraite, ben il la battait. Il jouait vraiment avec les émotions des filles. Il a ensuite rencontré Susan Atkins, qui avait aussi 18 ans, elle venait d'une famille brisée. Et elle est tout de suite tombée amoureuse de Charles. Puis Susan, vous allez voir, elle est très importante dans l'histoire. Ensuite, il y a l'ami de Susan, Ella Jo, qui s'est joint au groupe. Il y a Bruce Davis, un homme, qui s'est joint aussi. Personne dans ce groupe-là travaillait. Fait que Charles, il obligeait les filles à se prostituer. Il voulait rien savoir des moyens de contraception. Il pensait que c'était pas naturel. Fait que lui, il voulait que les filles se prostituent sans moyens de contraception. Il était une bonne gang. Il a échangé la minivan pour un autobus jaune. Ils ont comme mis à terre toutes les bancs d'autobus, ils ont mis des couvertures, des oreillers, ils ont tout bien décoré, puis ils se promenaient à travers la Californie dans l'autobus jaune. Ensuite, il a rencontré la petite Diane, une petite fille de 14 ans. Quand elle a vu l'autobus, elle est comme tombée en amour avec l'autobus jaune. Et ses parents, qui vivaient aussi dans une commune avec Diane, ils ont accepté que Diane se joigne à la commune de Charles Manson. Ça, c'est quand même fou. T'sais, ils ont dit « Oui, oui, tu peux t'en aller avec un homme de 30 ans. » D'autres femmes, pas de problème. La petite Diane, je pense que c'est parce qu'elle était jeune, je pense qu'elle était très belle, elle est tout de suite devenue la partenaire exclusive de Charles. Fait que c'était comme pendant un an, là, c'était vraiment sa partenaire sexuelle de choix. La commune, elle a grossi jusqu'à environ 20 personnes. Il y en avait qui entraient, il y en avait qui sortaient, il y en avait qui décidaient que c'était pas pour eux finalement. Souvent, les nouveaux membres, ils étaient forcés de laisser leur carte de crédit à Charles, donner tout l'argent qu'il y avait pour qu'il y ait un peu d'argent à tout le monde. Charles a ensuite connu Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Dennis, c'était vraiment encore là un hippie. Il acceptait tout le monde chez eux, puis il acceptait Charles là, qu'il aille avec ses 20 filles chez eux. Puis ils ont vécu là un bon un ou deux mois. Là. Il était à temps plein chez Dennis Wilson, il payait rien, il avait une piscine. Même que Dennis a présenté Charles à Neil Young, Dennis a fait rencontrer plusieurs producteurs, musiciens connus à Charles, mais personne n'était impressionné par le talent de Charles Manson. Vraiment, là, c'était assez ordinaire. Personne dans la commune ne travaillait. Il manquait bien vite d'argent pour se nourrir ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de gens qui font ça encore aujourd'hui. Ils allaient dans les poubelles de des supermarchés et ils fouillaient pour trouver de la nourriture. Et souvent, ils trouvaient des trucs très mangeables. Dans la commune de Charles, il était vraiment sexiste. Donc, c'était les femmes qui faisaient tout, qui cuisinaient, qui faisaient le ménage. Les hommes, la commune, ils mangeaient en premier. Puis ce qui restait, bien, les femmes se partageaient le reste. Charles a été comme inspiré par leur vie quotidienne et a écrit la chanson Garbage Dump. Oh, garbage dump, oh, garbage dump, why are you called a garbage dump? Oh, garbage dump, oh, garbage dump, why are you called a garbage dump? Charles a écrit la chanson « Cease to Exist » qui a ensuite été interprétée par les Beach Boys.
mais ils ont changé le nom pour Never Learn to Love. Charles, il était vraiment ami là, avec les Beach Boys, ben avec le batteur. Et un jour, Dennis Wilson, il était en tournée, Charles, il est resté chez eux avec tous ses disciples. Et quand il est revenu, Dennis, il a découvert que Charles, en tout, il avait dépensé plus de 100 000 $ de Dennis Wilson. Et un jour, Dennis, il dit « Je suis plus capable, je veux plus que vous vivez chez nous. » Fait qu'il les a tous mis dehors. Il était rendu à environ 35 là, disciples de Charles Manson. Ils ont décidé de déménager dans le Spahn Ranch, un gros terrain qui avait servi de plateau de cinéma pour des films western. Il y avait une écurie. Fait que Charles, il a fait un deal avec le propriétaire qui avait 80 ans. Il était presque aveugle. Fait qu'il a dit, nous, on va habiter chez toi gratuitement, mais on fait le ménage de tout. Il entretenait le terrain, il s'occupait des chevaux. T'sais, fait que c'était comme win-win, là, le deal qu'il avait fait. Pour la commune, Charles avait beaucoup de règles qu'il tenait à faire respecter. Par exemple, la consommation d'alcool était interdite, mais la consommation de drogue était permise. Par exemple, chaque jour, les disciples se faisaient un gros trip de LSD. Charles, lui, en faisait pas parce qu'il voulait vraiment garder le contrôle sur tout le monde. Et lui, il faisait des gros discours enflammés pendant que tout le monde était en gros trip de LSD et l'écoutait. C'était comme sa façon à lui de garder le contrôle parce qu'il leur faisait comme des brainwash pendant qu'il était sur la drogue. Une autre règle, c'est que tout le monde devait coucher avec tout le monde. Il n'y avait pas de couple qui était permis. Aussi, les enfants de Suzanne, qui s'appelait Zizozi, OK, vraiment pas rapport, et l'enfant de Mary, qui s'appelait Pooh Bear, comme Winnie the Pooh, ne pouvait pas avoir de parents. Tu sais, tout le monde était responsable des enfants. Okay? Il n'y avait pas de parents fixes. Tous les livres étaient interdits, sauf la Bible. Il n'avait pas le droit d'écouter aucune musique à part la musique de Charles Manson. Il jouait de la guitare et l'album Magic Mystery Tour de The Beatles. Quand le nouvel album, The White Album, est sorti aussi, il pouvait l'écouter. Tout le temps, il écoutait la musique des Beatles. Les disciples n'avaient pas le droit de porter de lunettes parce que selon Charles, il fallait qu'il voie le monde comme Dieu les avait créés. Il y a beaucoup des disciples qui sont restés toute leur vie avec les yeux plissés de même parce qu'ils se sont habitués puis avoir les yeux comme ça. Et quand tu es dans une commune, en tant que gourou, faut que tu gardes tes disciples intéressés. Faut pas que ça devienne routinier ni rien. Et Charles essayait toujours de trouver des méthodes pour que personne s'emmerde. Fait qu'ils ont commencé à faire des creepy crawls. Ils allaient chez les gens et ils changeaient les meubles de place, ils changeaient les objets de place, mais ils volaient rien. Fait qu'ils rentraient par infraction chez les gens pendant que les gens dormaient. Ils changeaient des trucs de place et ils s'en allaient. Ils sont même entrés chez un des membres du groupe de Mamas and the Papas. Leur crime a vite escaladé. Une fois, alors que Charlie devait de l'argent à un drug dealer, il n'avait aucune intention de le payer. Il n'avait aucune intention de redonner sa drogue. Ben, il est allé chez le drug dealer et il l'a tué. Et il l'a laissé pour mort. Après ce moment-là, c'est comme si Charlie était rendu comme insensibilisé au meurtre. Et c'est là que les gros crimes ont commencé. Plus tard, il a envoyé un de ses meilleurs amis, Bobby Beausoleil, avec Susan et Mary. Puis sont allés chez un homme qui s'appelait Hinman. Parce qu'ils pensaient que Hinman avait beaucoup d'argent. Fait qu'ils sont allés chez lui pour lui voler de l'argent. Hinman, il jurait qu'il n'y avait pas une scène sur lui. Fait que Charlie, il est allé, il s'en est mêlé, il lui a coupé une oreille, puis il a dit « Donne-nous l'argent ». Il disait à Bobby, aux deux femmes, « Restez là jusqu'à temps qu'ils nous donnent l'argent ». Quand ils ont découvert que finalement, il n'y avait pas d'argent, là, il me disait « J'ai une oreille coupée, j'ai rien à vous donner ». Charlie leur a dit « Tuez-le ». Fait qu'ils ont tué Hinman. Ils ont essayé d'enlever toutes les empreintes digitales qu'ils avaient laissées dans la maison. Ils ont écrit sur le mur avec le sang « Political Piggies » parce qu'il y a une chanson des Beatles qui s'appelle « Piggies ». Ils voulaient faire passer le crime pour un crime des Black Panthers. Comme voulu faire passer ça sur leur dos parce que Charles Manson, il détestait les Noirs. Après le meurtre, ils ont volé deux voitures de Hinman et Bobby Beausoleil se promenait avec une des deux voitures avec l'arme du crime dans une auto. Il s'est fait arrêter puis s'est fait mettre en prison pour meurtre de Hinman. J'étais allée me chercher un café parce que ça s'en vient vraiment intéressant. Quand Bobby s'est fait mettre en prison, Charles, il a voulu sortir son ami de prison, fait qu'il a comme décidé de copier le meurtre qu'il avait fait
pour vraiment faire passer ça pour un meurtre des Black Panthers, ils voulaient que les inspecteurs pensent que c'était pas Bobby qui avait fait le meurtre et que le tueur était toujours en liberté. Fait qu'en recopiant les meurtres, il aurait dit « Bon, ben c'est clairement pas Bobby qui a fait ça et on va le sortir de prison. » Charlie voulait voler des gens très riches pour pouvoir payer la caution de Bobby Beausoleil et le sortir de prison. Charles avait un ami producteur de musique qui habitait dans un domaine qui s'appelait la maison Cielo. Lui, il avait déménagé, puis maintenant il habitait la fameuse actrice Sharon Tate et son mari qui était réalisateur de cinéma Roman Polanski, qui était vraiment, vraiment big deal à l'époque. Et les deux habitaient sur la propriété avec des amis. Il y en a un parmi les amis qui était un coiffeur très connu à Hollywood à l'époque et une autre qui était la femme de la famille Folgers, du café Folgers. Fait qu'elle aussi avait une grande fortune. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Charles a envoyé texte à un disciple, un homme, et ses stars recrues Patricia, Susan et Linda. Les filles savaient pas vraiment, ils s'en allaient faire quoi. Il y avait juste texte qui avait toute l'information. Il leur a seulement dit « Amenez un couteau et habillez-vous tout en noir. » Mais les filles pensaient encore qu'ils allaient faire comme un creepy crawl. Ils savaient pas là, qu'ils allaient carrément commettre un meurtre. Charles, il est juste allé les déposer. Les quatre disciples ont tué 5 personnes qui étaient sur la propriété à l'époque. Donc Sharon Tate, qui est enceinte de 8 mois et demi. Son mari, Roman Polanski, était à l'extérieur. Il tournait un film en Europe. Fait qu'il était pas là. Et il y avait bon, ben, le coiffeur, que je vous ai dit, et 3 autres personnes. Fait qu'ils ont tué en tout 5 personnes. Mais depuis ce temps-là, ça a été vraiment reconnu pour le Tate Murders. Parce que Tate, Sharon Tate, c'était la personne la plus connue qui a été tuée cette soirée-là. Et ça, ça a été incroyablement médiatisé, ces 5 meurtres-là, c'est fou. 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. 2 bodies inside, 2 bodies outside. Among the other victims were Hollywood hairstylist Jay Sebring and coffee heiress Abigail Folger. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. Il y a même des célébrités qui quittaient Los Angeles cette soirée-là. Frank Sinatra qui est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Tout le monde se sont procuré des armes après cette soirée-là. Et encore là, ils ont écrit sur les murs avec le sang de Sharon Tate, Piggy, Helter Skelter, que les deux, c'est des titres des chansons du White Album des Beatles. Et finalement, ils sont sortis avec $70. Je vais parler un peu de Helter Skelter, ce qui est un terme vraiment important dans la commune de Charles Manson. Lui, Charles, il est fou, il a comme lu dans cette chanson-là qu'il y avait une apocalypse qui s'en venait. Mais lui, il voyait ça comme une guerre civile entre les Noirs et les Blancs, et que les Noirs allaient tuer tous les Blancs. Fait que lui, il a comme brainwashed tous ses disciples. Il disait toujours le Helter Skelter s'en met. La commune a comme commencé à faire des réserves de nourriture, des réserves de tout là vraiment, parce qu'ils se préparaient à la guerre civile qui allait terminer le monde. À chaque fois qu'il y avait un événement, Charles, il disait « Ah, oh, c'est le Helter Skelter qui s'en met. » Fait que c'est comme à cause de ça aussi qu'il a réussi à contrôler ses disciples, à faire ce que lui voulait. Le lendemain, ils ont dit « Faut qu'on aille encore plus big que ça. » Ils sont allés chez un couple, Lino et Rosemary LaBianca, qui habitait aussi à Los Angeles. Il n'était pas aussi riche que les autres de la nuit précédente, mais c'était un couple assez aisé. Ils sont rentrés chez eux. Donc c'est Tex, Patricia et Leslie qui ont tué le couple aussi. Là, c'était vraiment horrible. En tout, ils avaient reçu 70 coups de couteau. Il paraît que les scènes de meurtre étaient horribles à voir pour les policiers. Il y en a qui s'en sont jamais remis. Il y avait énormément de sang, de brutalité. C'était vraiment, vraiment triste à voir. Encore là, ils ont fait la même sorte de scène avec, ils ont crié sur les murs avec du sang. Les policiers, ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment pas fait le lien entre le meurtre de Hinman, de Sharon Tate et LaBianca. Ils ont pas fait de lien entre les trois meurtres, même que les trois se ressemblaient énormément avec le sang écrit sur les murs et tout. Puis c'est ça que Charlie voulait. Il voulait qu'il fasse un lien entre les trois meurtres puis qu'il dise « Ah, c'est Bobby Beausoleil, c'est pas lui qui l'a fait. » Le samedi 16 août, il y a plein d'hélicoptères qui se sont présentés sur la propriété, le ranch Spawn, et ils ont arrêté en tout 26 personnes pour vol d'auto. Quand ils ont dit à Charlie les raisons pourquoi ils l'arrêtaient, il paraît qu'il a vraiment l'air soulagé parce qu'ils ont dit « C'est pour un vol d'auto. » Lui pensait qu'il se faisait arrêter pour les meurtres, mais vraiment pas. Ils se sont fait mettre en prison, se sont fait sortir de prison parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre eux. Et la nuit du 25 août, ils ont tué une autre personne, Shorty Shee, qui était un ami du propriétaire du ranch.
Ils l'ont tué parce que Charlie disait essaye de nous expulser du ranch, puis t'essaies de me mettre dans le pétrin. Fait qu'il a tué parce qu'il se sentait menacé par Shorty Shee. On dit qu'avant le moment de l'arrestation, les policiers auraient interviewé plus de 300 personnes sans trouver aucun suspect. Les gens d'Hollywood, ils commençaient à devenir très fâchés parce que personne trouvait c'est qui avait tué la fameuse Sharon Tate. Pendant ce temps-là, Charlie, il voulait s'éloigner de Los Angeles le plus vite possible. Donc, il a amené tous ses disciples dans une vieille maison abandonnée dans le désert de Las Vegas. Okay, c'était horrible, les conditions. La nuit, c'était glacial, désertique. Il y avait des serpents sonnettes un peu partout, des tarentules. Les filles, elles mouraient de faim parce qu'il n'y avait pas non plus de réserve. Ils ne pouvaient pas aller dans des poubelles publiques pour trouver de la nourriture. Fait qu'il n'y avait pas de nourriture. Les filles mouraient de faim, mouraient de froid, mouraient de chaud. C'était vraiment des conditions dégueulasses. Ils envoyaient soit les filles marcher dans le désert, puis ils disaient « Trouvez le « bottomless » Donc le trou sans fond, parce que lui il disait qu'il y avait un trou sans fond qui avait été construit pour l'apocalypse qui s'en venait. Fait que tu sais, encore les filles croyaient vraiment à ça, puis toute la journée ils partaient puis cherchaient le bottomless pit pour pouvoir se cacher pendant l'apocalypse. Le 10 octobre, pendant que Charlie était à Los Angeles, il était parti pour trouver de l'argent, il y a deux policiers qui se sont présentés sur la propriété de Las Vegas. Parce qu'il y avait des rumeurs qu'il y avait une secte qui vivait là, qu'il y avait des armes non enregistrées et des voitures volées. Fait que les policiers se sont rendus là, puis ils ont comme découvert 10 femmes dénudées, avec deux enfants. Il y avait presque rien à manger, il y avait même pas de porte, là. C'était vraiment dégueulasse, là. Ils ont arrêté. Le 12 octobre, ils sont retournés sur la propriété pour comme faire une autre fouille. Ils ont découvert 7 autres personnes sur le chemin. Ils ont découvert d'autres femmes à moitié habillées. Sur le retour, ils ont découvert d'autres femmes. Et plus tard dans la soirée, le policier, comment qu'il raconte ça, c'est que il fouillait dans la maison. Puis en bas du lavabo de la cuisine, il y avait comme un petit meuble que tu pouvais ouvrir. Il voyait des cheveux dépasser du meuble. Il dit « Voyons donc, il a ouvert et il a vu Charlie ». En tout, il aurait arrêté 27 personnes de la commune de Charlie. Il était vraiment rendu beaucoup. Là. Pendant ce temps-là, il y a plusieurs témoins qui ont parlé. Des amis de la famille Manson, Susan Atkins, qui avait 21 ans à l'époque, s'est vantée auprès de deux de ses coprisonnières des meurtres qu'elle a commis. Elle a vraiment donné plusieurs détails. Fait que les filles se sont l'ont comme stoulées à la police. Et c'est à cause de Susan, dans le fond, qui ont été arrêtés pour tous les meurtres qui avaient été commis. Le 9 décembre, Charlie a été chargé pour le meurtre des 7 personnes. Et lui, il était aux anges parce qu'enfin, il y avait la célébrité qu'il avait toujours rêvé. Les États-Unis étaient complètement fascinés par lui. C'était fou. Charles Manson, 36, chose a house at random, tied up the family at gunpoint, then ordered his followers to go inside and commit ritual slaughter. Tout le monde voulait connaître des détails sur l'enfance de Charlie Manson, toute sa vie en prison, la famille Manson. Il y a même des jeunes filles qui envoyaient des lettres en prison parce qu'elles voulaient faire partie de la secte. Durant le procès, ils ont découvert que le tout premier drug dealer que Charlie avait tué, il était pas mort, il avait fait semblant d'être mort sur le coup pour que Charlie le laisse tranquille, qui est allé témoigner. Et finalement, on se rend compte que Charles Manson, il a tué aucune personne, qui a fait faire le sale boulot par tous ses disciples. Il est en prison pour meurtre toute sa vie, mais finalement, lui, il a fait aucun meurtre. I did not break the law. Jesus Christ told you that 2,000 years ago. You don't understand me, that's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either, but I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. Charles, il voulait se représenter lui-même durant le procès. Il voulait aucun avocat. Il voulait lui-même parler parce que c'était son moment pour briller. Le juge a refusé. Fait qu'il y a comme marque de protestation, il s'est gravé un X dans le front. Et tout de suite après, tous ses disciples, ce sont aussi les jeunes filles gravées un petit X dans le front. Fait qu'ils suivaient n'importe quoi qu'ils faisaient. Le 26 mars, après environ 3 mois de procès, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia et Leslie et Tex ont été condamnés à la peine de mort. En 1972, la Cour suprême de la Californie a aboli la peine de mort. Donc, tous ceux qui étaient condamnés à la peine de mort, ils ont
automatiquement reçu prison à vie, sans possibilité de libération. Aujourd'hui, Charles Manson, il reçoit encore des lettres de femmes. Et il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille de 25 ans qui a voulu se marier avec. Il avait reçu l'autorisation. Tout le monde était là, mais complètement folle. Mais en fait, on a découvert que la jeune fille voulait se marier avec parce qu'il est rendu à 80 ans, à peu près. Donc, elle voulait se marier avec pour, quand il allait mourir, être responsable de son corps et l'exposer pour faire de l'argent. C'était vraiment une folle, dans le fond. Charles Manson, il est pro-environnement, il est rendu végétarien, il fait beaucoup d'art, ok? Il fait des œuvres d'art. En fait, on dit de Charles Manson qu'il était la mauvaise personne au bon endroit, au bon moment. Tout simplement. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, hey now, up on your heart I can sing through you, and I play and I sing, and they say, hey man, you got soul in that music, and I said, yeah, I play a little bit, you know. Donc c'est fini pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. Mais ça, à chaque fois que je vous parle, je dis « Ah, oh, je commence une nouvelle série » puis finalement, j'en parle pas, mais c'est que je veux vraiment espacer mes vidéos. Tu sais, quand je fais des vidéos sur les Illuminati que vous aimez beaucoup, ben je veux pas en faire 2-3 semaines de suite. J'essaie d'en espacer une semaine oui, une semaine non. Je commencerai une nouvelle série qui parlerait des tueurs les plus connus. Ted Bundy, Carla Homolka, Luca Rocco Magnotta. Moi, je suis vraiment obsédée par les tueurs en série, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Laissez-moi dans les commentaires des suggestions de tueurs en série ou de tueurs que vous aimeriez que je parle. Dites-moi si vous avez aimé, s'il y a des détails que j'ai oublié de parler, des détails qui vous ont surpris de l'histoire de Charles Manson. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fridays. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Tell me in a sentence who you are.